j'avais rien vu. Tu continues à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je pense tout. T'arrêtes, est bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble... Ensemble? On est plus fort que l'intimidation. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Allage, je suis animatrice au comité intersectoriel Parents veulent savoir. C'est un comité qui offre depuis 2011 des activités, conférences, ateliers. Pour la programmation printanière, Parents veulent savoir offrira avec les organismes partenaires un atelier-conférence sur la gestion des conflits et les relations familiales. Je me présente, Julie Maltais, je suis intervenante jeunesse à la Maison Alto Secours de Dolbeau-Mistassini et je serai co-animatrice pour la conférence de Parents veulent savoir sous le thème des relations familiales et les gestions de conflits. À Normandin le 22 mars prochain ainsi que le 29 mars prochain à Dolbeau. Bonjour, je me présente, Julie Desmarquis, je suis intervenante jeunesse à l'Auberge de l'Amitié de Robertval et je co-animerai le 5 avril à Saint-Félicien l'atelier sur les relations familiales et la gestion des conflits. Alors, bonjour, moi c'est Caroline Michaud, je suis intervenante sociale à la FMR Maria-Chapdelaine. C'est un organisme pour les familles monoparentales et recomposées. Moi, je vais co-animer les trois rencontres de Parents veulent savoir. Pendant l'atelier, nous présenterons aux parents des outils afin de choisir le bon système de renforcement adapté à leur enfant. Tout ça dans le but de favoriser les relations saines parents-enfants. C'est un atelier qui s'adresse à tous les types de familles, que ce soit recomposées, séparées, monoparentales ou des familles nucléaires dites traditionnelles. Alors, on va vous outiller pour que vous ayez une bonne relation post-séparation, puis qu'on essaie de ne pas inclure les enfants non plus là, trop au niveau de la séparation s'il y a des conflits. Qu'est-ce que ça peut apporter aux parents? C'est de venir chercher des trucs pour améliorer le climat familial, que ce soit le plus harmonieux possible. On va faire la différence aussi entre des conflits normaux versus des rapports de force entre les enfants. Puis, on va donner des trucs concrets, comment intervenir là, dans l'intérêt de tous, puis favoriser le plus possible un climat familial qui est harmonieux. Alors, on va discuter de tout ça. On va vous outiller aussi, vous donner des moyens concrets pour aider à la communication, entre autres. Et tous les membres de la famille vont trouver leur compte, finalement. Révolution. Au Québec, on en a vécu plusieurs. On a eu la révolution industrielle, la révolution tranquille. Mais pour l'avenir de la planète, la plus importante, c'est la révolution énergétique. Ici, on l'a commencé il y a près de 75 ans, en faisant le choix de développer des sources d'énergie propres et renouvelables. Pour ça, on nous regarde. On nous admire. Continuons d'être un modèle. On exclut la personne qui parle. Vous avez déjà entendu ça. Mais quand on doit en faire plus en matière de transport électrique, et qu'ici, au Québec, on avance en innovant dans le domaine des matériaux de batterie et des moteurs électriques, et qu'on développe un réseau de bornes de recharge pour véhicules, bien ça, je m'inclus là-dedans. Amélie a fait un party en fin de semaine. Il y a personne qui m'a invité. Il y a personne qui m'a invité. Pourquoi? Je suis pas assez fine? Je suis pas assez populaire? Je suis peut-être pas assez intelligente? Demain, à l'école, tout le monde va parler de ce party, puis moi, j'aurai pas rapport parce que personne m'a invité au party chez Amélie.
Oh, pourquoi j'ai pas d'amis? Je dois pas être la seule à vivre ça. Voyons, Gabriel, c'est pas tant compliqué dehors de maths. Oh, tu sais, moi, les maths. Hé, hey, prends-moi ton soulier. Oh, t'exagères. Bien, c'est pas trop compliqué. Faut faire des décisions. Puis ensuite, faut... OK, c'est ça la réponse. On passe au numéro B. Ah, ce numéro-là, ben, faut faire des fractions. OK, OK, bon, on prend-tu une petite pause? Oui, maman, nous a préparé des bons légumes. Ah, comment? On pourrait manger des chips? Bon, OK, mais ma mère serait pas très contente, mais je vais y aller pareil parce que t'es mon amie. C'était vraiment cool! Pour trouver les réponses. Je crois pas. C'est qu'à copier les réponses de tout le monde. Pour ça, t'as toujours tout bon. Ça, non. Dans la maison. Pourquoi j'ai jamais des bons amis? Ah, oh, j'aurais donc dû. Gabrielle, j'aimerais ça te parler par rapport à ce qui s'est passé hier. Ouais. Gabrielle, j'aimerais vraiment ça que tu m'écoutes quand je te parle. Bon, qu'est-ce que t'as? Encore fâché? Non, non, je m'excuse de t'avoir crié après. Je me suis calmée. Puis j'ai parlé à ma mère, puis elle a dit de régler notre conflit. OK, je t'écoute. Mais j'ai pas aimé ça quand t'as copié mes réponses au devoir de maths. J'ai pas copié. Gabrielle, j'aime pas ça non plus qu'on me fasse des mentries. Entre amis, on est supposé se respecter. Ouais, t'as raison. Je m'excuse. Chez nous, il y a des règles. La prochaine fois que tu viendras, j'aimerais que tu les respectes. Ça veut-tu dire qu'on est redevenus amis? Oui, oui, mais ben, maintenant, tu sais quoi faire pour être un bon ami. Fais pas des choses que t'aimerais pas que les autres te fassent. T'as raison. On se voit chez nous après ça? Je suis contente qu'on soit expliqué. À ce soir. C'est pas le nombre d'amis qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir les bons.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Tout sur Tout. Cette semaine, je me trouve présentement au Salon de l'emploi, dans le cadre de la Semaine de l'emploi et de l'immigration. Donc, beaucoup d'exposants, des employeurs qui cherchent du monde. Fait que, si t'es comme moi, que tu voudrais te trouver de quoi nouveau, de quoi de palpitant, d'excitant, ben amène ton CV. Fait que, lâche ton Nintendo, puis viens t'ici. On va s'amuser, on va parler, on va rencontrer du monde. Je suis sûr que tu vas trouver ta place. Hey, viens-t'en. Ben, hey, où la porte d'entrée, ici? Oh, merci, madame. T'as qu'il y a du stock. Hey. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. Tu continues à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je suis pas un stou. T'arrêtes, bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble... Ensemble? On est plus fort que l'intimidation. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Allage, je suis animatrice au comité intersectoriel Parents veulent savoir. C'est un comité qui offre depuis 2011 des activités, conférences, ateliers. Pour la programmation printanière, Parents veulent savoir offrira avec les organismes partenaires un atelier-conférence sur la gestion des conflits et les relations familiales. Je me présente, Julie Maltais, je suis intervenante jeunesse à la maison Alta Secours de Dolbeau-Mistassini et je serai co-animatrice pour la conférence de Parents veulent savoir sous le thème des relations familiales et les gestions de conflits. À Normandin le 22 mars prochain ainsi que le 29 mars prochain à Dolbeau. Bonjour, je me présente, Julie Desmarquis, je suis intervenante jeunesse à l'Auberge de l'Amitié de Robertval et je co-animerai le 5 avril à Saint-Félicien l'atelier sur les relations familiales et la gestion des conflits. Alors, bonjour, moi c'est Caroline Michaud, je suis intervenante sociale à l'AFMR Maria-Chapdelaine. C'est un organisme pour les familles monoparentales et recomposées. Moi, je vais co-animer les trois rencontres de Parents veulent savoir. Pendant l'atelier, nous présenterons aux parents des outils afin de choisir le bon système de renforcement adapté à leur enfant. Tout ça dans le but de favoriser les relations saines parents-enfants. C'est un atelier qui s'adresse à tous les types de familles, que ce soit recomposées, séparées, monoparentales ou des familles nucléaires dites traditionnelles. Alors, on va vous outiller pour que vous ayez une bonne relation post-séparation, puis qu'on essaie de ne pas inclure les enfants non plus là, trop au niveau de la séparation s'il y a des conflits. Qu'est-ce que ça peut apporter aux parents? C'est de venir chercher des trucs pour améliorer le climat familial, que ce soit le plus harmonieux possible. On va faire la différence aussi entre des conflits normaux versus des rapports de force entre les enfants. Puis, on va donner des trucs concrets, comment intervenir là, dans l'intérêt de tous, puis favoriser le plus possible un climat familial qui est harmonieux. Alors, on va discuter de tout ça. On va vous outiller aussi, vous donner des moyens concrets pour aider à la communication, entre autres. Et tous les membres de la famille vont trouver leur compte, finalement. Bonjour, on est ici aujourd'hui pour vous parler du nouveau projet qui s'en vient de Moutassini, TZ, Tolérance Zéro. C'est un service de raccompagnement. Dans le fond, c'est un genre de nez rouge, mais à l'année. Puis là, pour boire à ta discrétion des clients, ça fonctionne de la même façon que nez rouge. Vous pouvez prendre des cartes de membres, soit en étant des cartes de membres individuelles, au coût de 65 $ par année, ou les établissements peuvent prendre les cartes aussi, puis faire profiter tout le monde de la carte TZN, qui peuvent prendre aussi le service de raccompagnement. Le service débute le 10 mars, fait que j'espère que tout le monde va embarquer puis qu'il va profiter de ce service-là. Si vous voulez être bénévole, ben gênez-vous pas, on en demande. Révolution. Au Québec, on en a vécu plusieurs. On a eu la révolution industrielle, la révolution tranquille. Mais pour l'avenir de la planète,
La plus importante, c'est la révolution énergétique. Ici, on l'a commencé il y a près de 75 ans, en faisant le choix de développer des sources d'énergie propres et renouvelables. Pour ça, on nous regarde. On nous admire. Continuons d'être un modèle. On exclut la personne qui parle. Vous avez déjà entendu ça. Mais quand on doit en faire plus en matière de transport électrique, et qu'ici, au Québec, on avance en innovant dans le domaine des matériaux de batterie et des moteurs électriques, et qu'on développe un réseau de bornes de recharge pour véhicules, bien ça, je m'inclus là-dedans. Donc aujourd'hui se tenait l'Assemblée générale annuelle de la Coop des Deux-Rives où on a annoncé la plus importante ristourne de notre histoire, là, quand même une histoire qui date de 1929. C'est 350 000 $ que nos résultats permettent de remettre aux membres sociétaires de la Coop des Deux-Rives. Donc on est très contents de l'année financière qu'on vient de terminer. Belle participation à l'AGA aussi. Là, on avait une centaine de personnes présentes aujourd'hui, puis avec les témoignages du président de la Coop fédérée, duquel on fait partie, puis un témoignage de Bergeret Tremblay et Bernard Lepage de la
ferme Olofé qui ont gagné le prix établissement à transfert de ferme à l'échelle québécoise. Ben, les résultats sont un petit peu meilleurs que les années précédentes, mais on avait des bonnes années. Ça fait 5 ans qu'on génère quand même là, des bons résultats. On est quand même contents. C'est parce qu'on a pris des bonnes décisions au niveau de la gestion de nos opérations. On a différents commerces de détail. On est dans les quincailleries, stations-service. Puis on est aussi un important fournisseur d'intrants agricoles. Fait que tout ça mis ensemble, avec une saine gestion, on réussit année après année à générer des petits bénéfices. Mais la plus importante contribution vient du réseau de la coop fédérée qui nous a ramené une ristourne assez élevée l'année dernière, qui était très bonne, due aux résultats des filiales qui sont propriétés de la coop fédérée, dont Olimel, là, que tout le monde connaît, là, qu'on voit en épicerie. Là. Donc, il y a de l'argent qui provient de notre placement dans une entreprise qui est d'envergure nationale. La coop des Deux-Rives, c'est environ 75 employés. On a terminé l'année avec un chiffre d'affaires de 28 millions de dollars dans nos différents secteurs d'activité. C'est 288 membres sociétaires qui sont les propriétaires. C'est 1200 membres auxiliaires. Donc, il y a deux catégories de membres. Pour être un propriétaire de la coop, il faut être un producteur agricole. Donc, il faut avoir une production. Puis, pour être un membre sociétaire, bien, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde du comté Robertval qui désire faire partie de notre clientèle. Donc, on a deux types de membres. Puis, on en est rendu peut-être à 1400 membres là, au total dans la coop des Deux-Rives. Le prix établissement transfert de ferme, c'est un partenariat entre la coop fédérée, Desjardins et les coopératives du réseau. Donc, c'est une reconnaissance pour une réussite dans le transfert d'une entreprise agricole au Québec. Cette année, on avait une entreprise qui était finaliste, qui était la ferme Olofé de Saint-Félicien, où on a un exemple de transfert avec 3 enfants. Donc, c'est les deux parents, les 3 enfants qui ont maintenant 20 % chacun des parts de l'entreprise. Donc, ce modèle-là a plu au jury, puis ont été nommés là, en février par la coop fédérée à l'ensemble du Québec. Donc, ils ont coiffé. Il y avait 35 fermes en candidature. Donc, c'est la nôtre qui a gagné cette année. On était pas mal fiers d'eux autres. Moi, qu'est-ce que ça me fait particulièrement, c'est que je suis tellement contente de ce prix-là parce que c'est un prix d'équipe. C'est un prix qui rejaillit sur notre famille, mais aussi sur tous les gens qui travaillent pour nous, tout pour les 28 qu'on est dans notre entreprise. Fait que c'est de ça que je suis le plus fière. C'est pas un prix individuel, c'est un prix pour une entreprise, une relève, une belle gang de monde. Pour moi, d'avoir gagné le prix au niveau de la province, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment chaleureux parce que, oui, d'avoir fait une entreprise, d'avoir fait la famille, puis maintenant de la transférer à l'autre génération, puis d'être reconnu au niveau provincial, c'est vraiment de quoi qui est plaisant comme fin de carrière. Là. Je pensais qu'à un moment donné, j'ai parlé à une juge, puis après qu'on ait reçu le prix, je pensais qu'on avait eu un prix pour l'originalité de notre entreprise. La juge m'a dit que ça le comptait pour zéro. C'est vraiment pour le transfert sur lequel on a été évalué. Donc, nous, mine de rien, ça faisait 10 ans qu'on travaillait avec notre relève ou avec les consultants, avec toutes sortes de choses. Fait que je pense c'est peut-être parce qu'on a monté les marches une par une. Puis que les jeunes veulent. Hein? Et aussi qu'on avait, on avait une belle relève avec nous autres. Là, puis ça fait longtemps qu'on les entraînait, mais ils auraient pu faire d'autres choses dans leur vie. Mais c'est vraiment plaisant pour nous autres. Bonjour, on est ici aujourd'hui pour vous parler du nouveau projet qui s'en vient de Moutassini, TZ, Tolérance Zéro. C'est un service de raccompagnement. Dans le fond, c'est un genre de nez rouge, mais à l'année. Puis là, pour boire à la discrétion des clients, ça fonctionne de la même façon que nez rouge. Vous pouvez prendre des cartes de membres, soit en étant des cartes de membres individuelles, au coût de 65 $ par année, ou les établissements peuvent prendre les cartes aussi, puis faire profiter tout le monde de la carte TZ, qui peuvent prendre aussi le service de raccompagnement. Le service débute le 10 mars, fait que j'espère que tout le monde va embarquer puis qu'il va profiter de ce service-là. Si vous voulez être bénévole, ben gênez-vous pas, on en demande.